1000 coups de fouet et 10 ans de prison. C'est la sentence de Raif Badawi, condamné pour avoir créé un site internet en faveur de la liberté d'expression en Arabie Saoudite. Enza Faidar, son épouse, était à Berne les 8 et 9 octobre pour rencontrer la présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga, et militer avec les membres d'Amnesty International pour exiger la libération de son mari. Elle vient d'écrire un livre dans lequel elle raconte son combat acharné pour faire libérer l'amour de sa vie. Plus d'un million de personnes ont déjà signé la pétition demandant aux autorités saoudiennes de libérer Raif Badawi. Merci beaucoup.